On est parti au niveau de l'équipe de la direction régionale Grand Est sur l'idée que on pourrait atteindre nos objectifs en termes de gains d'efficacité énergétique d'ici 2030 si on arrive à massifier, généraliser trois quarts des solutions technologiques éprouvées auprès du monde économique. Partant de ce constat, nous avons décidé de travailler avec la direction innovation et recherche de l'ADEME pour identifier des solutions pour accompagner cette massification. Et l'idée du numérique nous est apparue assez évidente et nous avons décidé de travailler sur une plateforme numérique qui porte le nom de SoRéseau. SoRéseau va offrir des fonctionnalités collaboratives comme tout réseau social. Ce portail numérique doit permettre aux entreprises de pouvoir disposer des éco-technologies qui sont à la fois largement éprouvées, mais également disposer de solutions innovantes qui devraient leur permettre en fait de travailler sur leurs process et d'identifier de nouveaux modes organisationnels et de fonctionnement au sein de leur entreprise et de leur industrie. SoRéseau va permettre de mettre en relation les entreprises, des entreprises clientes en recherche de solutions et les entreprises qui vont être fournisseurs et qui vont apporter des solutions technologiques aux entreprises clientes. SoRéseau va également permettre de recenser l'ensemble des éco-technologies et puis également de pouvoir constituer des bases documentaires, apporter de l'actualité comme tous réseaux sociaux, créer également, diffuser de l'événementiel et puis bien sûr apporter des solutions financières qui seront référencées, mises à jour régulièrement de la part des institutionnels mais également des solutions financières privées. Dès le début de l'aventure, nous avons des partenaires importants, BPI, CDC. Nous avons également, dès le démarrage, le Sillon Lorrain à nos côtés et l'association Club Innovation Responsable qui regroupe des grands groupes et start-up du Grand Est. Dans le déploiement de la plateforme SoRéseau, le Grand Est est à nos côtés, la région Grand Est est à nos côtés, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie. Je vous invite à poursuivre l'aventure avec les équipes de la transition énergétique en Grand Est. Rendez-vous sur la plateforme SoRéseau.